Eh ben salut les amis. Comment ça va bien aujourd'hui? On est lundi. Bon, ah voilà, on m'avait demandé un petit truc sur les tomates, alors j'en profite d'être au boulot pour vous faire une petite vidéo comme ça vite fait. Donc voilà, hein, les tomates, bon, ça c'est de la ronde classique. Bon ben elles sont à 2 mètres facile, largement même. Et donc voilà, la question c'était est-ce qu'il faut couper les feuilles pour que ça mûrisse plus? Alors la réponse c'est que nous on coupe jamais les feuilles et ça mûrit très bien. Voilà. Donc en fait on prend jamais le temps de les alléger, d'enlever des feuilles, etc. Pour plusieurs raisons, bah, il y a la photosynthèse, le fonctionnement de la plante quoi. Voilà, là on a des petites green zebra, vous voyez. Voilà, bon celle-là elle est mûre. Hein. Green zebra, bon cœur de bœuf, cœur de bœuf. Cœur de bœuf, elles sont là. Là-bas, on a quoi là-bas? Un peu de tout, hein, de la rose, de l'orange, belle petite orange là. Bon voilà, on cueille pas les, on coupe pas les feuilles du tout. Hein. Hein, c'était pour Olivier qui m'avait posé cette question. Voilà Olivier, bah tu vois, on coupe jamais les feuilles en fait. Et puis regarde, si tu regardes bien en dessous, ben tu vois, ça mûrit. Hein. Ça mûrit parfaitement bien au pied. Tu vois. De toute façon, la tomate, quand elle est mûre, elle se mûrit tout seule. Donc il n'y a pas besoin de couper les feuilles. Là, on a de la rouge. Ouais, là, je me promène un peu partout. De la tomate blanche. De la cœur de bœuf encore. De la cornue. De ouf. Il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Bon, là, il y a une serre de 1000 mètres carrés, elle fait 20 par 50. Donc 1000 mètres carrés de tomates. Voilà, là-bas il y a toutes les petites cornues. Vous voyez, c'est chargé, hein, il y en a. Hein. La rose, une belle petite rose. Ouais, ça mûrit en dessous, dis donc. Voilà, les amis. Petit 1000 mètres carrés de tomates. Bon après on a encore une, deux, trois, on a trois serres, quatre serres où il y a des tomates dedans. Voilà. Bon, voilà qu'elle était belle celle-là. Allez, chouchou, bonne journée, à plus tard.